À différentes reprises sur le fait que le plus grand événement de votre vie, c'est l'apprentissage de la lecture à l'âge de 5 ans au collège La Salle à Cochabamba, Bolivia. En Bolivie, oui, avec oui. Frère Justiniano. Je crois que ça a été une frontière dans ma vie quand j'ai découvert qu'en lisant, en traduisant, n'est-ce pas, en image, les lettres, les mots des livres, on pouvait vivre une existence beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus divers que la vie véritable. La ville et les chiens. Les années précédentes, l'hiver ne parvenait au dortoir des cadets qu'en se glissant par les vitres cassées et par les fenêtres. Aucun recoin du collège n'échappait au vent qui, la nuit, réussissait à pénétrer jusque dans les lavabos, dissipant la puanteur accumulée tout au long du jour et détruisant leur atmosphère tiède. Mais Cava était né et avait vécu dans la Sierra. Il était habitué à l'hiver. C'était la peur qui lui donnait la chair de poule. Mon père voyait avec beaucoup d'inquiétude ma affection pour la lecture et pour l'écriture. Alors il m'a mis dans une école militaire, Leoncio Prado. Il pensait que les militaires allaient éradiquer, n'est-ce pas, cette maladie de la lecture. De la lecture, de la littérature, de la vocation littéraire. Mais au contraire, il m'a donné les thèmes de mon premier roman. Et au collège militaire Leoncio Prado, je suis devenu un écrivain professionnel. J'écrivais des lettres d'amour, par exemple, pour mes camarades. Et ils me payaient avec des cigarettes. Et j'écrivais aussi des textes érotiques, pornographiques, disons. Non, ça, c'était viril, n'est-ce pas? Éloge de la marâtre. Nous serons bientôt enlacés, badinant sur la soie sibilante de l'édredon bleu, le bois nous entendra soupirer, défaillir et soudain crier blessé à mort. Foncine, le front livide et les joues roses, ses cieux ouverts de stupeur et de gratitude, enfilés de salive pendant des abouches tendres. Nous, emmêlés et parfaites, respirant d'un même souffle, l'air comblé de celles qui savent être heureuses. Nous serons là tous les trois, paisibles, patients, attendant l'artiste à venir qui, éperonné de désirs, nous emprisonnera dans ses rêves et nous, ravissant sur la toile avec son pinceau, croira nous avoir inventé. C'est Flaubert qui a voilà. été énormément important pour moi. Je voulais parler. Je l'ai découvert en arrivant à Paris. J'ai acheté Madame Bovary, je me souviens, dans une librairie qui était très populaire à l'époque. J'ai découvert que le réalisme n'était pas incompatible avec la beauté, avec l'originalité, avec la précision de la langue. Flaubert, au début, n'était pas un génie. Et moi, j'étais très découragé parce que je sentais que je n'étais pas un génie non plus, non? Alors, j'ai découvert que Flaubert voulait tellement être un grand écrivain que, comme il n'était pas un génie de naissance, il a décidé, à travers la discipline, à travers la persévérance, à travers les fanatismes du travail, de devenir un grand écrivain. Et il a réussi.
tour et détour de la vilaine fille. Ce fut un fabuleux été. Un championnat national de mambo fut organisé aux arènes d'Accio, qui remporta un grand succès malgré les menaces du cardinal Juan Gualberto Guevara, archevêque de la ville, d'excommunier tous les couples participants. Et puis, le quartier du Barrio Alegre, des rues Diego Ferré, Juan Fanning et Colón, à Miraflores, disputa des Olympiades de foot, cyclisme, athlétisme et natation contre le quartier de la rue Saint-Martin, et l'on gagna, bien sûr. La grande question, je crois, c'est est-ce que le livre va à survivre? Ce n'est pas sûr, malheureusement, ce n'est pas sûr. Il y a une bataille entre les livres et les écrans, n'est-ce pas? Et je me demande si cette évolution continue, quel genre de monde nous serons dans l'avenir. C'est une préoccupation, je crois, angoissante, hein? La vie serait vraiment beaucoup plus triste et pauvre sans cette possibilité de se transposer, n'est-ce pas, à un monde différent grâce à la lecture.